Au mois d'avril, quand les mauvaises herbes commencent à pousser, il est temps de se mettre à biner et à arracher ces mauvaises herbes. Afin de minimiser ce travail pendant l'été à venir, il peut s'avérer intéressant de poser une couche de mulch à l'aide de tontes de gazon séchées, ce qui n'est pas très décoratif. Ou à base de gravier, d'éco, mais là, vous avez besoin d'un voile anti-racines. Ou encore avec du compost. Personnellement, j'utilise des écorces de pin. Une couche de 4 à 5 cm suffit pour étouffer les mauvaises herbes.